encore une telle fois, comme Bana Israël, le Dieu de nos ancêtres. Moi aussi, j'appelle le Dieu des ancêtres du Congo. J'appelle. Vraiment, il y a des gens qui ont été Joseph Kabila has been president since 2001. December 19th marks the end of President Joseph Kabila's mandate. He has served two terms, and according to the constitution, he cannot serve a third. Now at the end of his final mandate, Kabila is refusing to organize an election or step down. It has been 15 years of war. Congo has never had a peaceful transition of power. Arrests, executions, corruptions, and death threats. We're asking you to support our struggle for democracy and peace. Countless human rights activists have been arrested, imprisoned, exiled, and even killed. For Floribert Chebeya, Mamadou Ndala, Armand Tungulu, Fidel Bazana. For the killing of 49 protesters this year on the 19th of September. For the killing of 42 protesters in January of 2015, and for those who have been killed since 2001. Pasteur Lukusa, Abbé Vincent Machozi. And for the countless who will be killed if he is allowed to cling on to power. And as you know, Congo never makes the news, so we have to be our own media. The countdown has begun. The countdown has begun. The countdown has begun. For the sake of democracy, Congolese people all over the country, in the diaspora, as well as goodwill people across the world, are coming together as one voice to say, this December 19th, this December 19th, this December 19th, Kabila must go. Kabila must go. Kabila must go. Kabila must go. Bonjour batata ba mama bandeko banso ekolo Congo ezaya bino Claude Mutima na emisa baliangando ndeka to ba ke baliangando état d'esprit baliangando mokili mobimba toza awa na sibo moni pasteur Jorkonde to toso na Evariste Omana na kati ya Paris abenga ke participer intervention na Evariste Omana zali les amis de Moïse Katumbi que je continue toujours à saluer à pensa pasteur Jorkonde makambo ekomi na mboka kuna banini toza laki awa nga nayo. Na mona ki bokima kimba na Washington presence ya Bin Kikaya izala kini ni passage Jorkonde bwe ko expliquer ba presence ona Bin Kikaya ayaki yemuko ayiko sala nina na tanda toza Fridi Famba abenga bisu bokende kina izala kindengene bon omoni ba kabiliste baza bato baza ko luka comment déstabiliser la nation congolaise mais avant non to bande mission oyo papa c'est très important. Moi je voulais faire quelque chose parce que moi bitumba tozo bunda et za bitumba tozo bunda ngona nzoto pe na molimo le combat que nous menons aujourd'hui le Congo tozala ki esclave à Mindele na tango bango bazwa ki pona ko mabiso na su esclavagisme le lo oyoyo ba bongoli yango ba pays loko la Rwanda Uganda ba komi ko zwa su biso su otage na bango to komi loko la esclave na bango le chouchou. En tout cas, vraiment, et comme ça, la biso passe mingi, na motema. Je ne sais pas qu'est-ce que nous allons dire, mais ngai, au moins na Bible, au totangaka, ben na Israël, ti le loso oké na kata Israël, quand il prie, ben singara le Dieu des ancêtres, ben nga nzamba bako kona bango, le Dieu des ancêtres,
même la Bible, le Dieu de Moïse, le Dieu de Nini. Je crois que Nakata Congo, il y a aussi des ancêtres du Congo. Bakoko na biso bazali oba ba bundaka ba résistaka contre esclavagisme à Mindele. Bakoko na biso oyoyo ba kufa ba katanaka maboko tout ça pour nakoboya ba koma sous l'empire des occidentaux lelo oyo ba kufa lelo nzamba songa biso na butu moko kaka bo esenga kika match beta pour Congo soit libération soit esclave soit liberté to koma lelo to koma un pays indépendant. Yangwana lelo yo makambo yo tozoko mona ezako kamisa biso tozoko ndimate ke no momboka lokola Rwanda momboka lokola Uganda ekoyiko zo peuple toute une nation parce que Congo ezali semblable comme un continent moi tout un pays otoko comparer ngolo lokola quartier ya Masina kimbante ke tosangisi ngolo lokola Rwanda ekoyiko zo Congo mobimba en otage na ebite qu'est-ce que nous pouvons dire mais na pokwa oyo moi je demande na so lela na sa moté mananga na so kosenga bakoko na biso les dieux de nos ancêtres parce que bitumba oyo le prophète Simon Kimbangu avait dit que bana bilaka bakobima bana bilaka bakoya bana bilaka bangonde bakoya ko sikola mboka oyo mais voilà nous sommes aujourd'hui dehors tu veux comprendre que non le pays ne va pas tu veux comprendre que non il y a l'occupation. Tu veux comprendre qu'aujourd'hui, il y a nos frères propres. Au bazar côté Kambo cannabis, au bazar nakati y a système, y a occupation autant de vivre les lots nakati à Congo. Mais moi, j'appelle le Dieu de nos ancêtres maintenant de se réveiller. Le Dieu des ancêtres du Congo, Bozawapi. Parce que Bakoko bino bokufa qui pona mabele à Congo, biso bana auto botami le loto bimili banda, bitumbo tozo bunda. Mais nous avons besoin de vos esprits bobima pour na bobunda pour na Congo parce que tolingi bibembe na binote ba Rwanda ba piétiner yango tolingi bibembe na binote et comme lokola jea o basali ko sala yango lelo le Dieu des ancêtres du Congo boza wapi botelema la force que bozoko pesa biso parce que si aujourd'hui nous sommes élevés ndenge to telemi partout dans le monde c'est parce que ce Dieu là ba koko ba prophétisa ka ba lobaka que non les enfants oyo ya bilaka ba kobima ba ko uta libanda ba kokota aujourd'hui nous voici toza ko bundalit oyo mais to sengi bango ba bima parce que ba koko wana tong ba telemaka mindele ba mona ya bango ba monaka dans l'histoire on lui dit que pour la indépendance et salama mindele ba cha minduki ba cha ba militaire mais ba ko comprendre te ba tumo ba bima ba ba ta mikuse ba lataka pembe pembe ba tona ba zaka mystique. Ça, c'est le Dieu des ancêtres du Congo. Mais Mindele, il y a un peu de temps. Non. Nous prions maintenant, ce soir, que le Dieu des ancêtres du Congo, Koko, Bozana, Sama, Bele, à Congo. Bobi, Mabisika, Bozali, pour te défendre, Mboko, ensemble, Nabino. Biso, Bozana, Bombo, Bino, Bokufa, Bobima. Bobundi, Sabato, Bakangi, Congo, Namolimo, Nesprit, Obango, Bisika, Bache, Congo, et Bima. Tolingi tebi bakor na bino lobby batuba sakana nango bisika bakunda bino bakomisa ngo soki ndenge nini tolingi to garder souveraineté mboka wana bobima to bunda ensemble na bino c'est ça la prière que je m'adresse aujourd'hui bato bako comprendre nango te ba comprendre nango te mais j'appelle encore une telle fois comme bana Israël ba benga ka le Dieu de nos ancêtres moi aussi j'appelle le Dieu des ancêtres du Congo bo lala na sa mabele j'appelle le Dieu, il y a 450 morts. Il y a oh, tu ko kufa kala mingi te ba boshab ba bimi, oh ba bomi. Makila wana ebima etelema. Epesa makasi Congo zo libération. To komi na ligne rouge, oh zo senga ba oh ba ko kufa ba ko kufa, ba oh ba ko tika la vivant ba ko tika la vivant. Ceux qui cherchent le malheur du Congo, oh tout baza ko sala na Kabila. Faut ba comprendre que to komi na système mususu. Ceux qui bango bazoki biloko ya mindele pour protéger bango. Fuba ye bake ba koko ba kota na samba bele pour na Congo. Bazali ko bima sikoyo pour na bitumba oyo ezo dimension mususu parce que ba monique batika ki tant trop. Moi je vais commencer toujours à invoquer ce Dieu là, le Dieu de nos ancêtres. Ba bima na quatre coins ya Congo, ba bunda bitumba oyo. Bisika oyo biso tozako kokate, bango ba ya ba cha maboko pour te Congo bima bisika yango ezali. Voilà le message que je peux dire papa. Merci à tout pasteur, je le connais mais ba tout ba semela ba bino yoku zo convoquer esprit des morts. Monte ki kotima keba keba ba tout ba convoquer esprit des morts pasteur, je le connais. Ça ma bête, ya ma bête la Bible. Et sa Bible
bana Israël ba bengaka le Dieu de Moïse. Moïse a koufa bi a koufa te. A koufa. Pourquoi ba benga le Dieu de Moïse? Voilà, donc c'est ça. Parenthèse par la Bible tout côté comme ngité mais parce que je côté que notre présence il y a bim qui kaya na ayaki on a les États-Unis comme ça la nini pour prolonger mandat Kabila pour corrompre ba tout bien ko sombela ba congolais Thompson. Ba yaki pour la corruption papa. Ces gens-là ndenge na otukolo bana yo, ce sont les gens qui veulent la déstabilisation de la nation. Ces gens-là veulent la destruction de l'homme congolais. Parce que tous ceux qui travaillent avec Joseph Kabila, ils ont un souci à le peuple congolais, ils ont un souci à la vente de Bango, ils ont un souci à la Congo panzané comme à diviser, ils ont un souci à la guerre dans le Congo. La mission de Bin Kikaya est de faire le lobbying de Kabila. Pour nanini, mutwana apologie manda na ye avant d'attiquer un ennemi sur Bango bazar kolinga vanda. Ailleurs que ça là-bas lobbying avec $875,000. Donc à peu près $1,000,000. Bah yoko pe ça va lobbying à ou en États-Unis pour na Kabila à Oumela na pouvoir. Malheureusement bah yoko kuta na sukoyo que makam suspeza la ki akovanda parce que toko la ki sabatu nous faisons un grand travail aux États-Unis. La diaspora congolaise aux États-Unis fait un grand travail. Ba lobingo ba ibin kikai ba osala ba zopesa ba zopesa mbongo na mango pamba pour rien. Biso to kotisa ba biloko donc obibi yazo kende ko mona ba lobbying. Mais biso to mona ka ba sénateur, to mona ka ba to ba secrétaire d'état, to mona ka to tinda ka ba biloko na biso pa Obama. To mona donc même tio ba osala campagne Hillary Clinton. Biso to zako déjà ko kota na kati na bango. Donc lobbying ba bazo sala ona ezal ngo rien. Il perd son temps et il perd son argent pour rien. Kabila zoko père de bloc on a pamba ba yaki, mais malheureusement la réponse d'Obama est catégorique. La réponse d'Obama est catégorique avec Kabila. Tu as terminé tous tes deux mandats de vol parce que comme je paraphrase ce que Martin Fayulu lui a rappelé na TV5, Kabila n'a jamais gagné les élections de 2006. Il n'a jamais gagné l'élection de 2011. C'est un voleur, un grand nebité mutumoko conspirateur ya mabe ya Congo. Alors, ba ebisi ba vol auto so yibi ya ba élection. En tout cas, ton temps est venu de partir. C'est ça la réponse de cet assigné à Kabila. On n'a pas le temps de t'accorder ni un jour de plus, ni une heure de plus. Tu as fini ton mandat, prends les choses et pars en paix. Alors, Kika ya meki ba ebisi ye. Ce qui est un blague, ce qui est un jeu, attendez après le 19 décembre pour que la réponse soit la même chose que le Congo. Alors, si vous comprenez la diplomatie, vous comprenez le kakate. Le gens qui entourent Kabila, ils voient déjà. Alors, il y a un bon moment, John Kerry a fait une visite à quelques heures au Rwanda. Non, les choses se préparent. Papa, je vous dis, l'administration Obama est déterminée. Kabila, c'est un mauvais chef. À part que tu Rwandais, Nayoana. Kabila, c'est un mauvais chef. Il a démontré donc je dirais l'incapacité et l'immaturisme d'un chef de l'État. Donc, en lui seul, on a conclu que c'est-à-dire l'erreur grave que nous avons commis, étant qu'occidentaux, de mettre un monsieur comme lui au pouvoir. Voilà le pourquoi, dans son ensemble, la communauté internationale a décidé que Kabila, Balinga, le 19 décembre, mandat na bango abuo, pia. Bini Kikaya, je retourne à Zokosala, na yebisi bango. Bin Kikaya, attendez, toko kenena yo komona susu, mikanam susu to tinda susu na Maison Blanche, na toko kota susu na Sénat awa. Bisika bango baza ko ya, biso to leka kango deja chaque jour, po ya wa, et ko senga voyage, banini, tout ça. Mais biso to kota ka chaque jour, si aujourd'hui je prends l'avion na kena Maison Blanche. So na bina kota pas sénateur, kaka siko na bengi na bina, on a zana rendez-vous 3 jours na kena kote ici. Donc, baza na retard, diaspora, o eza na kate États-Unis, baso ko salamu kwa mneni. Bakozala surpris, tous ceux qui rêvent à côté de Kabila seront surpris na réponse au Obama za ko pesa bango na quelques jours.
papa, ba réveille que non, ba Dieu ba soko sala kuna ekisasa, yango ne mtoko mbamba musika. Ils sont coincés là où ils sont et ceux qui va continuer kaka na tétuse mais au bazana ngo, ils vont payer trop cher. Merci à toi, Freddy, pasteur Jodo Konde, Freddy, Fama Pazo Benga Karate, tu continues l'émission à Bissot, Maman Kondoa Sabso, signe Alain Bola Bolaski. Pasteur Jodo Konde, on a su la question, on a su la Evariste Omana, décision en cour constitutionnelle. Au lieu de 9 personnes, 5 personnes ont su la décision, adopter un besoin normal. Mais, c'est-à-dire, je crois que Olandi Ndenge, l'ami Evariste a expliqué, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce pays-là, c'est que les Karaka en faveur à Moutoumoko. Kabila. Et sous menace, il y a comme ma famille na bango. Et sous menace de corruption, c'est bon, j'y mongo te, beaucoup fakaka, le juge là, au batikala qui 5, bah, j'y 50 000 $ à chacun pour n'a valider, et l'eau qu'on a bango, on a validé la prolongation à Kabila. Ils ont corrompu ce juge là à 50 000 $ à chacun. Donc, Congolais, assoiffé d'argent, il vend son propre pays à cause de 50 000 $. Ok, non, 50 000 $. On consomme un immeuble, on consomme un immeuble, on consomme un jet privé. On va dans le temps, on va dire que 50 000 $. On va dire 50 000 $ après combien des années. L'homme congolais, mémoire, n'a pas été trop, mouki et mingi. Ils ont vendu leur pays, ils vendent le pays et bah, validé de le mandat à Kabila 2018. Bon, papa, on m'a dit que tu as Kabila, toujours, on a répété, parce que le peuple n'a pas besoin de désespoir. Le peuple congolais a commis trop de désespoir. Il y a pourquoi il y a d'abord dans la diaspora. Dans la diaspora, tous les bateaux doivent porter plus d'espoir aux Congolais qui sont au pays, à l'intérieur du pays. Voilà le pourquoi la lutte que nous faisons ici est très importante et trop capitale. Dans la diaspora, tous les jamais qu'on allait décourager parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'emails. Les gens m'ont beaucoup écrit, papa, tu es un peu plus de temps, comme il est en tout cas, et comme il passe. Moi, je veux dire aux Congolais, quand on veut manger le bon fruit, ce moment où on a le diable à Yaka, tant que le diable à Yaka, on a découragé le corps à Nini, ou comme un bicycle à Nati, le corps à Tsou, on a un bon moment à Nati. Et si tu n'es pas censé, on a raté pour qu'on ait un bon fruit. Dans le moment où tu as lutté pendant trop longtemps, et tu as dit, moi, tant que pour la Congo, la libération, c'est le même moment où le diable a continué sous ma casse pour travailler, pour décourager le peuple congolais. Après, c'est un désespoir. C'est comme si rien ne va se faire. Je dis aux Congolais, il y a des choses qui se préparent. Ne perdons pas espoir. Ne perdons, et j'insiste surtout à la diaspora, ne perdons en aucun moment l'espoir. On est près de la victoire. Yangomoni les bandes du papa, j'ai invoqué les dieux des ancêtres parce que bah koko on a foubaté les mapona bitumba oyo biska obiso to sokusuka bango ba continuer on a mulimo papa oh irobi ba jige a Kabila ba kangi wana etali bango décision ba zuwana etali Kabila etali mwasi a Kabila et engager ba famille na bango et chacun d'eux un jour ba kozala juger sur makambo ba sakosala lelo. Tous ceux qui travaillent avec Kabila, tous ceux qui prolongent le mandat de Kabila, Kabila tant qu'on qui m'a lobby, soit qu'on coupe, soit qu'on qui m'a lobby, ma cambo bino bozo ko sala, boko zala juger kopo na yango. Je dis bien, mutu tout on attend auto komi na yango, on aza ko prolonger mandat de Kabila par fraude, pour que Kabila continue à faire souffrir Congolais, aye ba ka yango, soit qui Kabila ko coupe lobby, c'est que yé pa Rolanda Kabila. Ce qui Kabila a la juger lobby, c'est que Yepa a la juger. Donc ce que nous leur promettons, c'est ça. Bah s'attendre que non, il y aura la justice pour nous sommes basés au salaire contre la nation. Merci à toi, Pasteur Jodo Konde. Je vais vous dire que c'est un minute. Pasteur Jodo Konde, avant de la ville morte, Vital Kamerhe va venir signer. Sini na banga monologue na bango basi ba kene ko signé wana monologue na bango na moni Ruberwa na moni tatamosi ya Kanambe na juste monologue wana tatamosi ki ko jouer role nini Ruberwa ki ko jouer role nini parce que je le connais au cause la pas en bref parce que la moni Freddy Famba za la ligne to ko kala mingi te parce que je le connais na moni olobini ne signature wana ya ko bango ba kene ko jouer ba role tant ki ba ki bazali ba nani et puis comment expliquer ça ces gens-là? Papa, au moins, il m'a envoyé ça à Congo, Lelo.
naebi yango moni na bengi ba koko baya parce que naebi te yango moni ngai na beleli nzamba ba koko na beleli ba koko na batel mabisika bango bazali kwa babima na sama bele babima parce que nazo comprendre dessus sur l'homme congolais te kwa l'homme congolais na kati ya mboka akomi na epe na naebi te ba voûté bango ba envoûté bango tout ba. Donc je te dis tous nos intellectuels congolais sont envoûtés aujourd'hui na kati ya pays. Ils ne voient plus rien, ils ne voient plus le mal, ils ne voient plus l'occupation. Ils ne voient plus comment les Rwandais bazali ko diriger Congo, ils ne voient pas ça. Je vous dis que dans l'armée congolaise, il y a plein de généraux rwandais. Bazo ko mona yango te. Ba intellectuels na biso bazali ko dépasser bango toujours kaka boy. Mais bazo mona kaka te, ils ne voient rien, surtout rien. Yango na bengi ba koko wana ba telema pote je ne sais pas comment est-ce que dans un pays, vous allez signer, et regardez ceux qui ont signé cet accord. Oyo Yomoto, Oyo Kamere, Rwandais. Kamere, un véritable Rwandais. Papa, entre parenthèses, Obi Mutuana Kamere, Assemblée à Congo, quoi. Assemblée à Kabila, où il y a un pouvoir, il n'y a pas où il y a un pouvoir. Mais ce qui est à Kabila, au Kende. Tu éviter hein à préparer à sortir na ina maire quoi parce que oh y a sali bicho oh y a eko aventure à sali peuple congolais assemblée la mingi que Kabila ou mena na pouvoir y est pas ou mena na pouvoir mais ceux qui Congo est ya bango a continuer na aventure azo sala mais ceux qui Congo est ya bicho oh to botama mitolo na bicho ba kunda na Congo un jour à revivre vérité ya mboka wana papa Ruben Wazanani. Ruben Wazanani, Jeannette Kabila, Jeannette Kabila Zanani. Mnyamugabo, ce qui nyamuru gabo wana Zanani. Oh, ben, comme nommé sous sa comité deuxième rapporteur à Sénat, Zanani. Tout cela d'origine rwandaise. Nakatuana, moi, moukie ya ba congolais. Oh, baza ko comprendre de vérité envoûté par l'esprit rwandais. Baza ko signé papier na ba rwandais. Baza te kambo kanabango. Sans qu'il y ait pas, caméra bimia zo tambola, bazo betele maboko, caméra zo tambola na accord. Accord et l'équipe constitution, ce qu'on a makasi. L'accord signé par caméra dépasse maintenant la constitution. Oh, bah, toi, koufa, oh, peuple congolais, bah, fota. Oh, bah, on va kéko sa, on a hôtel, yangouane l'équipe sukoyo, constitution na makasi, et prolongé kabilatine à 2018. Ba Rwanda ba signé accord ba le bique non ce que tu dirigeais Congo ti 2018 et puis avant 2018 tu es bien loin de sala na kati parce que les gens ne rêvent pas ba ko ça n'était que oh non tu comité de suivi ba ko lande l'accord c'est faux combien de fois il y a eu des accords que Kabila signé même avec ses frères rwandais du M23 Kabila respectait ngo il y a eu des mécanismes de suivi pour na ba accord wana combien de fois M23 le ba ki na kozongela minduki. Parce que Kabila ne respecte pas les accords. Et aujourd'hui, Kabila lui-même n'est pas le signataire de cet accord. Et ils nous disent que non, Kabila va respecter l'accord et il commence à donner les dates des élections. C'est faux et c'est de grands mensonges. Et on a vu que Mutuana Kamere, c'est un grand manipulateur, un escroc vivant. Et monsieur Lassoto, Kamere. Ah, assemblée la raca Congo quoi, Kabila ou Mela quoi. Mais parce que je reconnais Kamere pas aya on mon ami va passer par Bombaye, bah soit disait va passer par Mwembe, bah Bombaye donc pour les canaux. Papa, mutu nyonso na kati ya Congo, mutu nyonso azali na sang congolais. Azoko yamba Kabila, c'est dit il devient l'ennemi des Congolais. Et il devient l'ennemi de la nation congolaise. Je te dis papa, mutu nyonso azoko yamba Kamere na kati ya ndaku nayi. O azako bomba Kamere na kati ya ndaku nayi. O azako ndima ko contribuer ko continuer ko tambola na Kamere. Il est l'ennemi du peuple congolais et l'ennemi de la nation congolaise. Papa, disons la vérité, l'accord là ça sert à quoi? Accord wana ba tiene na date élection présidentielle. Accord wana est prolongé mandat ya Kabila. Accord wana elobi na bango ke toko sala o biso to lingi to sala ti mukolo toko sala Kabila ko soki peut to comme avant 2018 Kabila va faire le référendum soki biso ba congolais to fongo misuté les Rwandais vont piétiner sur nous ba Rwandais ba ko piétiner biso parce que ba zomo so ba zoba tu as vu hein ba tutu ba s'opposer na Kabila ba Rwandais wana quand c'est moment de l'accord moni bango nyo na 4 salle ba signer ils savent là où ils sont ils savent qu'est-ce qu'ils font pour le Congo
Soko esengi biso mo ba kongole to telema pona mboka wana poto loba papa ne vous, que personne ne vous trompe, on dépasse 2016. 2017 Kabila va faire le référendum et il va faut modifier la constitution et Kabila va se représenter et so écoute ba sali référendum au moment na kuta va to comme en 2018 il y aura élection. Il faut se rappeler aussi na ba koro bango ba uti kozwa oyo ya seni oyo nanga le mutu mobo ba komi na a komi le ko azo ba mobo ba soko kosa ye ko manipuler pamba pamba alobi boyi abi c'est moi naza le ko la docteur c'est moi qui a la date ngande naza na date c'est moi mbango na tuna kati wana ba vandi wana ba kope sa date te. Ça veut dire ko biloko tu bango ba signer wana ba sali wana c'est faux et archi faux kone nanga ndem ta ko iko ya na date bango te bazo kosa batu bazo kosa batu donc bazui et loko lukuta balingi ba bambali kolo pote ba domi peuple po Kabila prolonger mandat mais tozana bango mayele toko sila nana bango avant ou après le 19 décembre. Freddy Fambaosa en ligne toujours besoin au solo soké. Oui, Freddy Fambaosa na misaba ozana misaba lianga ndo direct ya nabi pour minute zoki ni moi mi maman konjo sa biso signe. Freddy Fambaosa ko expliquer biso présence na ya koné nanga na bin kikaya na kati ya réunion na yokuta kiona et puis ba question ni yo poser ki Freddy koné nanga ezala ki ndenge ni meka ko expliquer mpe muke po balanda na misaba lianga ndo obaza ko ka mukini mobimba c'est état d'esprit Freddy Famba tozo okao. Oui, Banyanga ndo tozali awa na Washington DC na zake information ke kikaya azali awa na kone inanga asala kitu na ba investigation na ngai na tendaki ko participer na pati conference de presse wana vraiment nzambe nga na kate toyaki komona esika lokuta ya kone inanga na kikaya ezali place bazo manipule kone inanga lokola mwana muke azala a commis estimé donc on a un otage total aujourd'hui on a tous à quoi nous a dit de nous a dit de monsieur Balianga ndolo ba tous là na papa Freddy Famba vraiment la cause qui ma question moko au singera qui na tuna qui connaît langa au parvenir aux arabes aux États-Unis na kikaya zali conseiller ya mutu oyo Kabila binonde bozale bangonde bazale ba menere ya krizo tozala yango wazaki question ya introduction deuxième question na pozaki narubi kone inanga pepe kongole bamoni yo etaki sauveur okokosalisa bango obimisa makambo oyo na epase pepe kongole bakoka kobika lelo oyo kone inanga yo oke ba election na 5 et demi jour mpona nini la 2006, vous avez été secrétaire adjoint général et assigné. La 2011, même, vous avez été dans l'élection, vous avez été trop. Mais les gens, ils ont été les anges pour l'élection, pour les camarades. La réponse à Corneille Nanga, c'est que vraiment, vraiment, parce que Azali Koubang a attendu la Kika Azali, à l'objet de la Sengir Koloba. Que aliya wana itazini na eba kisho kikone inanga kikaya zali yawa akamu mingi ni mba mingi retuwe bango nyo sora ba moko wana za preme masonji mtu alukuta uwe alubiki ya tanga uwe alubiki ya za pastel za soni na mutu mbiba kikaya eko kuzwa kukosa disusu kukontradiri uwe uye alubu kikaya alubi mebiso tuliko ya hawa biso peto za batu opposition ese ya hawa peske ni 4 fois biso peto ye na tango na biso me oyo kone inanga eko lobake ayebite ndenge nini kikaya babele suve esika moko me kikaya alie moko akonfirme yango ke bayezela moko mowai ke ba election wana ndenge bazosala yango ekozala pepe na 2018 akoro wana basinye eza bakoro moko ya likolo kaka ya kokosa peple pe bato basinye bakoro wana baza origine congolais te ce sont les étrangers ruberwa baza étranger nayake na busa wana na lubumbashi na kasapa na kampishi ya kasapa na lubumbashi azaki kante rwande azaki representant ya barwande tozali awa na bakongole oyo awa na Washington DC obatanga na kit
kaya na rubeba isika mpo na kasa pa bazo kumanya ngome bazo mwana batu mshus na kulika na video tepo baza kubanga na hindi te msema tena kumoba wakanga mamu yangu wana tuzo solula na pepe kongole zamba sali sabiso tuza na makasi biso nyoso tosi mbana isika mpo paske tozali infiltre makasi na barande kote nyoso mazani Bazali même kubutu na mindugi ya bakongole na kami na soda kongole moko taza na mindugi barande na barande batonde kuna na kitona malenga poka kubutu na bakongole mindugi ne bakongole ba donc ba registre na yango awa boye kuna bazali na pai bazali na mwa bitumba moko boye paske ba nyoso pa depose ba arme na bango donc yango wana na sepeli mingi na mingi ville morte à l'objet de la qui est Sindaki partout dans la carte de la République à Congo. Vraiment, tout ça a été sur le novembre et ça le coup là que tout ça, 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 ville morte, tout ça, tout ça, tout ça, décembre, ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout On a fait décembre, on a moyen de tout ça, les lots présentés. Tout ce qui est dans mon cas, les lots, Ok, merci à toi Freddy Famba, merci à toi la proposition na wana na si Valentin Mobake tout cela qui est na téléphone na Freddy Matungu bazana ba makamso ba ebele ba ligne sous couchant na ba réseaux sociaux parce que ba mwembe ba zone ba mwembe ba zone contre carré ba makamso même solo zali ebele Valentin Mobake na Martin Falupa koya a to kutane ba ligne couchant ba réseaux sociaux sous mingi te mais toujours kende liboso parce que je reconnais tout comme qui ne veut faire la mission na biso ces pays ba ces pays ba tini ba tuna Kinshasa ça c'est singoto pour na bino ba ba rassemblé ma papa Tite Tshisekedi na les amis de Moïse Katumbi bolobini ni ça c'est singoto ki ces pays tini ba tuna Kinshasa vous êtes sous occupation non bon au moni avato le bena mamba ces pays nga kitiki sasa le point très important et singeli ba congolais ba comprendre déjà le gouvernement américain et le gouvernement européen bazako se préparer pour de grandes sanctions contre le régime de Kabila. Et je vous dis papa, batobele ba vous aura surpris na makambuni no ba vous aura coincé calamité très bientôt là. Mais il faut que les gens comprennent comment est-ce que la légalité comme jour batata ba mama bana banso école au Congo et ça bino Claude Mutima na émission baliangando. Ndeka tulbaka ke baliangando état d'esprit baliangando mokili mobimba ville morte ici c'est Simba qui déjà bomona ki ba jaune le to comme ba rouge pour toquer na carte rouge to comme na carton rouge c'est-à-dire to bondela Congo na biso to bondela Congo na biso na zana ba pa na zana Freddy Famba en téléphone na zana Evariste Pasteur ba zobenga na zana Pasteur Joël Konde pa kuya to zana en face mais avant na nona kota na makambo ya Congo balobi soit disant démocratie manin ko respecter démocratie ngote batika pe ko respecter ngote batika la pe ko respecter peuple congolais et politique na ba ngoma Joseph Kabila depuis qu'il est venu au pouvoir depuis 2001 tina mko le peuple congolais atika la kolinga été peuple congolais atika la pe ko voter été ban batu ba mwembe na etu ata mon côté azala élu bazala ka nommé na ngoy kuluna bazaka nommé na passe mususu na kufa malumalu banoma bango batika la wana ba dépasser makambo so tout Mundele a soutenu en 2006, Mundele a soutenu en 2011, babetena papa Tshisekedi, babetena Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba leye, babetena papa Tshisekedi leye, Mundele o a soutenu ki, Mundele bimisi mbongo na a soutenu politique nambe, soit disant que mutango azamwa mayele a comprendre que non, bon Mundele a natiki la bango pouvoir, natika pouvoir na kenana sina ngini rien, azokutambola kaka kuluka ka baba, ba solution par ci par là, alors ba que non,
pepe mtalingi pepe mtalingi me anazana aligne na Freddy Famba. Freddy Famba zali mobundeli ya mboka Congo. Freddy Famba zali mutu oyo atelemelaki na kata Washington boku azalaki batu oyo bazalaki parmi bakene ko telemela présence ya Kikaya bin Kikaya awa. Est-ce que bin Kikaya ayi ko sala nini monsieur bin Kikaya zalaki nini awa? Alors nazali awa na Freddy Famba puis na moni pe appel ya Evariste Omana. Alors tu peux gobenga le soir donc dans un appel à Evariste Onama, tu donnes un peu notre téléphone. Bonjour Evariste Onama, bonjour Freddy Famba. Freddy Famba. Bonjour, c'est monsieur Evariste Omana. Bonjour, bonjour, bonjour. OK, monsieur Evariste, Evariste Zana nous na Freddy Famba en ligne wa na tourna Freddy Famba en question. Evariste retourne un peu moi ma question mi balé mi ça tout, ne mi ça balé ngando. Merci à ton présence na bion de bolingi bobo participer na appel à l'homme. Alors Freddy Famba na kobane pa na yo ko se présenter dans nous ça balé ngando bye bye Freddy Famba. Vraiment comme nga na zali Freddy Famba. Ah na zali wa na États-Unis, na zali private investigateur. Après na zali kosala na la compagnie Oyo ezali kosala ba medical awa na États-Unis. Ça fait presque 17 ans on a sali la compagnie wana. C'est ça ma position awa na États-Unis. Merci à toi Freddy Famba. Freddy Famba na kozonga pas na ona na kena pas Evariste parce que Evariste a bien parti à France. Tu peux seulement ba ngonga moke Evariste okiko se présenter on ba participation na oni na kati ya Congo et puis ozali nani batu ba ye ba yo Evariste. On a zali juriste congolais, na do vivre en France depuis 19 ans et demi. Et contribution na kati ya Congo d'abord au-delà d'être intellectuel et juriste, je suis sportif aussi. Sala storming na compte en boca biso sous le drapeau congolais, ma soie ma coupe à médaille télé dont je représentais dans plusieurs compétitions internationales na Congo à Congo. Donc sur le plan sportif je suis ambassadeur du Congo et à ce jour Nazali membre de Ami à Moussa Tombi, l'un des cadres au Nazali pour travailler en Nazali à Europe et contribution à plus la tâche politique auprès de Moïse Katumbi, les alliés qu'on mobilisait, qu'on sensibilisait et qu'on fait comprendre au peuple congolais vision de Moïse Katumbi et ce que Katumbi pourra faire dans les jours à venir dans Bokana Bissot si elle a élu président de la République aux alliés de Bokana Bissot. Voilà en gros ce que je suis et je voulais juste rappeler que je suis congolais de père et de mère et de souche et de sang. Merci à trop Evariste. Evariste, mais toujours mon âme. Bino mabata Moïse Katumbi les amis de Moïse Katumbi bozo kené pe na logique aussi longtemps que ba mwembe o ba simbi na bazana gouvernement bazana ba vision o ya binoté et tant que les amis de Moïse Katumbi non se présenté wana bozana option mususu te parce que ville morte au moment que zali réussite totale carton jaune mutu tout avant nda kubanini mais il politique quand même ben Joseph Kabila aza ko multiplier ba effort que atika toujours na pouvoir a sali monologue na ba bimi si gouvernement o ezali dirigé na ndeko nae Kamere o babenga ki ba bangolo babenga ki Rwanda ba sala ki ba nzima ba Rwanda na ba chaîne na bango d'occupation le loyo ba pese na santé congolaise ba ba pese primatire et tant que les amis de Moïse Katumbi et tant que congolais de souche 100% et tant que sportif maître et tant que juriste o ko juger nini pour makambo makamba comportement o wana ke mbwa azong sandi bloc à Sandra qui a le côté en haut, ou bien c'est quelqu'un qui manque de cadre, manque d'idée, manque de vision à battre. Ok. Ma camouzo, le cas, dans le moment où on a beaucoup de bichots, est allé vraiment déplorable. Bichot Bato, qui a soutenu Moïse Katumbi, qui a soutenu Moïse Katumbi, position de bichot, est allé Boyo Katumbi, à Zakoloba. C'est-à-dire quoi? Le respect et la constitution. C'est-à-dire quoi? La recherche et l'alternance. C'est-à-dire quoi? La paix, la carrière de beaucoup de bichots. Alors, Makambo Oyo, président Kabila, Oazo Kamambo Kamikolo Oyo, Oyo pouvoir négocier le 19 décembre 2016, Oya Koza Soussou présenté après, et Léona Nengi Moïse Katumbi Zoro Banabatou Nyoso Mikolo Oyo, Oyo Sola Biche Zalinini, Asala Mananaye, Asuki Samananaye, Akende, Atika Moka, Namaboko, Yaba Congolais, Oyo Bako dirige Moka Namikolo Oya, Eza la Kamere, pas nommé premier ministre Toté. Ce n'est pas notre problème parce que à ce jour, tout à la logique, parce que Moïse Katumbi est un légaliste, Azali qu'on travaille selon la constitution et selon la loi, puis Azali qu'on fait respecter Yango. Alors, ce que Kabila a nommé, il a pas prérogative naïe, a nommé ministre Oualingi pendant qu'il est en règne comme président. Alors, ta mère est partirait
à la fin du mandat de Kabila. Et Bissot Toko octroyé Kabila pas une seule seconde après le 19 décembre 2016. On est allé malheureusement, Moïse Katumbi, on est allé leader d'Anga, on est allé répéter à Ayoka. Seulement par manigance, ils allaient par maquillage. Mais la nature propre des Congolais, c'est le respect de la Constitution. Tout ce qu'on peut maquiller dans Moutoki. Il y a contestation à peuple coréen, tout le monde a clair, et puis maquillage, c'est pour Kouya. Voilà. Mais si on a un massacre, on a un politique canadien avec Joseph Kabila, il a toujours déterminé qu'il y a un pouvoir, il a toujours contribué aux Congolais par-ci par-là, qui a un pouvoir. Il a toujours un peu de temps, il a toujours un peu de temps, il a toujours un peu de temps. Alors, souhait d'un bisou, Katumbi, c'est un homme de paix, massacre aux alicontes, Moïse Katumbi a condamné Kiango, Makila a dit qu'on a bisou Oyo et Tanguy depuis le 21 janvier 2015, Oye Kotanga, le 19 et le 20, il y a moi Oyo na Kinshasa, Makila a dit qu'on a bisou Tanga tous les jours, na Beni, na Rutshuru, na Goma, na Ichiro, Bisika Nyoso, Oyo Kabila Azali Kolingate ko sécuriser peuple. Oyo Kabila Moussane ko affaiblir armée congolaise FARDC. Oyo Kabila Moussane ko élever un général d'origine rwandaise na kati ya armée nationale congolaise. Position Moïse Katumbi Azali tozali contre Makambouana. Justice nationale, le col est commis inféodé, affaibli, quasi inexistence. Le col a la question d'abus sur sétention à pouvoir judiciaire, à pouvoir présidentiel. Azali écrit correctement, mais Kabila a bafoué Yango, Bissotoko, constitué partie civile et Toko portait plainte au nom de la démocratie du Congo dans la justice internationale. Au moins, ce côté-là, on pourra obtenir gain de cause et les commanditaires ainsi que les acteurs sur le territoire congolais, Bakozala arrêté, Bakozala jugé et Bakozala châtié. Selon les responsabilités de chacun, nous avons rappelé à l'Union européenne, à l'Obini, communauté internationale à l'Obini, communauté internationale à l'Obini, nous tournions ce qu'on a causé à la MEPA, la Katia Congo, à cause à la coupable, selon ma responsabilité, de manière individuelle, et à la responsabilité intellectuelle, et à la responsabilité physique, et à la organisation. Où il y a eu un la et à la Kabila, et à la Banane, à correspondre devant la justice. Makila va dire qu'on a pu se tanguer et qu'on ne peut pas mater. Batouana va vous foutre en gros. Mais nous restons dans la légalité et dans un combat pacifique. La lutte de Moïse Katumbi est une lutte pacifique et puis avec le peuple et dans l'opposition au sein du rassemblement, donc on soit pouvoir parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir et c'est le peuple qui doit le récupérer. Et bientôt, le 19 décembre 2016, Moïse Katumbi va l'obtenir, le peuple a récupéré le pouvoir. C'est ce qu'il dit. Président Sage et Rassemblement à l'Obati Peuple à m'y prendre en charge. Et nous avons vu dans Ville Morte et à Lobby, le 19 octobre, le peuple a montré comme il convient que pouvoir a récupéré en haut. L'avertissement à carton jaune dans le commun en haute, mais était l'Obami ici mon ami. Pouvoir à comprendre, comme le international, à comprendre que le peuple est mature et le peuple a compris qu'il nous doit récupérer le pouvoir. Voilà la position, il y a Bissou, Mathieu Moïse Katumbi en haut. Ok, merci à toi, papa Evariste, parce que vous avez bien musique en France. Merci à toi la participation de M. Baliangando. Mais tout ça, ma question est bien, et bien, tout ce qui me permet de permettre vraiment pour. En tout cas. Ok, merci à toi. Merci, Koyo. Le problème, aujourd'hui, c'est que nous avons insisté, nous avons alternance, parce que nous avons la chemise rouge, donc la carte rouge est bien. Le 19 novembre, le sous marche ou bien sitting, ou bien ville morte, et vous allez sous. Mais au cas où le 19 décembre, nous avons un jour de plus, au cas où la politique a été corrompue, parce que Freddy Fama a expliqué que nous avons bien qu'il y a un collègue qui a été corrompu, qui a été lobbying aux États-Unis. Mais au cas où que Mundele, parce que Mundele a été politique, il a été lobbying à l'objet. Abundé la blékina option sous sabon bon le kaka kabo qui na 2018 option ni boko sala sur après de ba pour le 19 décembre option sous wana so mundé la décider que non bokende des ans au ba poni na caméra. OK, l'option qui est privilégiée chez nous c'est
avec Moïse Katumbi et les rassemblements, c'est une option purement politique. C'est une option populaire, avec le peuple qui va s'exprimer sur la rue pour reprendre le pouvoir. L'impérium appartient au peuple. Le peuple est le souverain primaire et le tributaire de tout pouvoir. Tout pouvoir dans la démocratie émane du peuple. Moïse Katumbi s'est rangé dans l'opposition avec le peuple. Il va travailler avec son peuple congolais. Et le peuple là qui va récupérer le pouvoir auprès de Kabila et le remettre à qui il veut après les élections par une courte transition où nous, l'opposition, nous avons proposé une transition avec une option spéciale et exceptionnelle parce que ce qui se passe actuellement est inacceptable. Je comprends bien la question où vous voulez en venir. C'est que je veux faire remarquer aux Congolais qui nous entendent en ce moment, Moïse Katumbi, c'est un civil. Et la lutte de Moïse Katumbi est pacifique et politique avec les idées. Au sein du rassemblement, nous avons la majorité des leaders politiques qui sont aussi des civils. Le président des sages, qui était Tshisekedi, qui est connu depuis plus de 40 années, il fait la politique. Il a toujours opté pour une politique pacifisme avec les idées, le projet, sans aucune arme. Mais nous avons en face de nous un ex-rebelle, un militaire qui n'a jugé par la violence. Joseph Kabila, depuis 3 ans, il a cessé de gouverner le Congo, mais il a mobilisé toute la force militaire, policière et l'intelligence avec la NER pour agir afin de préserver son pouvoir. Depuis 3 ans, Kabila ne travaille plus pour le Congolais, mais il travaille juste pour préserver son pouvoir. Et nous remarquons, avec l'achat du matériel contre les émeutes, contre les révoltes et contre le marche, et nous voyons comment il est fait avec Bissindibana, avec les autres. Il est même capable d'aller chercher des troupes étrangères, les ramener au Congo pour massacrer les Congolais. Nous le voyons. Mais sauf que nous tenons à témoin la communauté internationale. Vous avez vu avec moi qu'il y a des navires militaires américains qui sont au large de l'océan, de la mer, au Congo, Brazzaville et chez nous, vers Boma, vers Matadi. Ce n'est pas en vain. Parce que Moïse Katumbi est à l'extérieur, il est en train de faire un travail considérable sur le plan politique, auprès des chancelleries, auprès des royautés, auprès des chefs de gouvernement et auprès de présidents de différents pays. L'Union européenne, les États-Unis ont compris la lutte de Moïse Katumbi. Voilà pourquoi je félicite mon leader, parce que à ces jours, nous avons vaincu la lutte diplomatique, parce que Moïse Katumbi a travaillé avec son équipe. Et nous avons vaincu avec les politiciens qui sont sur place au Congo la lutte populaire. Il nous reste maintenant de récupérer les pouvoirs le 19 décembre 2016. Quitte à aller avec les armes. Il y a des gens qui le disent. Mais Moïse Katumbi n'a pas d'armes. Moïse Katumbi n'a pas de militaire. Moïse Katumbi n'a même pas un couteau ni une aiguille avec lui quand il marche. Il marche libre seul comme un citoyen. Maintenant, si un jour il arrive un problème sérieux où l'insécurité du peuple est croissante, on sera bien obligé de faire appel aux amis du Congo, le pays avec qui nous traitons, s'il y aura possibilité de pouvoir nous aider. La première porte qu'on aura frappée, c'est l'ONU. Et nous savons que la MONUSCO est chez nous. Ça fait plus de 15 ans que la MONUSCO est au Congo. Les contingents les plus importants de la MONUSCO se trouvent en RDC. Mais sauf que la MONUSCO a une mission. La mission de la MONUSCO en RDC, c'est l'observation et l'interposition. Ils doivent observer ce qui se passe. Et s'il y a confrontation entre les partis, il va s'interposer. Maintenant, on sera bien obligé de faire demande à la MONUSCO de pouvoir défendre la population pour passer à une force d'attaque. Voilà notre façon de travailler. Merci à toi, Evariste. Mais là, dans vos propos, là, vous venez de confirmer ce que les gens disent, que Moïse Katumbi, il a acheté toute la communauté internationale, parce que, comme vous venez d'expliquer là, qu'il a des contacts par-ci, par-là, et ce n'est pas dangereux pour le pays. Ou bien, qu'est-ce que vous avez pensé de cela? Non, ce n'est pas dangereux. J'ai rectifié, Moïse Katumbi n'a pas les moyens d'acheter la communauté internationale. Et puis la communauté internationale n'est pas à vendre, et ça ne s'achète pas. Sauf que Moïse Katumbi, c'est un leader politique reconnu par la communauté internationale. C'est un homme d'État, parce que son souci premier, c'est le bien-être de son pays, l'évolution, le développement, la démocratie, la liberté et l'intangibilité de nos frontières. C'est ça le motif de la lutte de Moïse Katumbi. À ce titre, il a quand même allé frapper de porte. Vous le voyez aux États-Unis, au Capitole, être reçu
mesure, vous le voyez au Canada, vous le voyez en France, à Bruxelles, en Angleterre, à Londres, ainsi de suite, et d'autres pays que je ne peux pas citer ici. Il est en train de dire aux gens que mon peuple est en train de mourir. Mon pays est en train de sombrer. Il disait, je vais sauver mon peuple, je vais retourner dans mon pays. Il disait, nous devons sauver notre jeune démocratie. Il disait que nous devons nous unir pour travailler ensemble, afin que le monde voie que l'opposition congolaise est unie pour sortir le pays du gouffre que Kabila a plongé dans sa dictature sanguinaire. Et c'est cette lutte-là que Moïse Katumbi est en train de mener partout. Maintenant, à ce jour-ci, nous sentons que non, Kabila avec le militaire, ceux qui sont au Congo d'origine étrangère et ceux qui viennent dans des troupes morcelées de pays étrangers limitrophes de nous, entre autres le Rwanda, l'Ouganda, on n'a pas peur de pouvoir les citer parce que c'est vrai et tout le monde le connaît, nous serons bien obligés de pouvoir demander la main forte auprès de la communauté internationale. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Et si on le fait. Merci frère, merci Évariste. Évariste, pour la dernière question que je voulais poser, je voulais demander ceci. La décision de cour constitutionnelle que j'appelle charte d'occupation, c'est qu'ils ont décidé de prolonger l'élection présidentielle aussi longtemps qu'ils étaient incomplets. Au lieu de 9, ils étaient 5 et ils ont accepté. Les autres sont fuis de ne pas participer. Et les autres, ils ont fait ça quand même dans leur gré parce que Kabila les a menacés avec des armes, avec les honneurs de Caleb Mutombo et tous ces gens passent. Qu'est-ce que vous dites pour cette décision-là de la Cour constitutionnelle que j'appelle charte d'occupation? Ok, la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution elle-même. La Cour est composée de 9 hauts magistrats qui sont nommés en 3 groupes différents. Le 3 provient de la majorité présidentielle, le 3 provient de l'opposition et les 3 sont le plus anciens qui peuvent représenter la société civile. L'ensemble de ces 3 groupes de 3 qui forment le 9 hauts magistrats qui composent la Cour constitutionnelle. Ils ne peuvent siéger pour décider si le quorum arrive au minimum 7 hauts magistrats, ou au total 9 ou 8 au plus haut. Mais s'ils sont moins de 7 à partir de 6, la Cour ne peut pas siéger. Il se fait que parmi eux, il y a un bon nombre de compatriotes qui sont les hauts magistrats au sein de cette Cour, ont trouvé que la démarche de président Kabila est une démarche qui détruise le pays, qui met le pays en danger et qui va ramener le pays au chaos. Ces gens-là se sont décidés parce qu'ils sont appelés, payés par les contribuables congolais, à dire le droit et non à violer le droit. Mais ils ne se sont pas présentés. Les 5 qui se sont présentés ont été présents sous pression kabiliste dans la dictature forte où on ne sait plus la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir présidentiel ou exécutif. Ils étaient obligés de siéger et de prendre cette décision de pouvoir reporter les élections présidentielles jusqu'en avril 2018. Et nous, de l'opposition, nous qui sommes derrière Moïse Katumbi, nous les amis de Moïse Katumbi, nous sommes contre cette décision. Moïse Katumbi lui-même s'est prononcé contre cette décision et nous ne le reconnaissons pas parce que nous voudrions que Kabila, son gouvernement, pendant tout le temps qu'il a passé 5 ans au pouvoir pour son dernier mandat et le tout dernier, pour 15 ans de pouvoir aujourd'hui, Kabila, il a passé les élections en 2006, les élections en 2011, on n'a pas consulté la Cour constitutionnelle, certes. Il est donné à la CENI de pouvoir consulter la Cour constitutionnelle, mais il n'est pas autorisé à la Cour de pouvoir marcher sur la Constitution. Ce qu'il a fait, c'est ça. Et la Cour est appelée à l'observance de droit. Le président de la République est le garant de la Constitution et de la nation congolaise. Il est appelé à bien observer la loi. Mais ce qu'ils ont fait, et le président, et la Cour, et la CENI, les 3 entités ont détruit volontairement, sous la menace de Kabila, la Constitution congolaise. Moïse Katumbi est contre, il appelle au peuple et il le met à témoin d'observer ces choses parce que Moïse Katumbi veut respecter la Constitution. Et au moment venu, ces gens-là ont commis ce qu'on appelle dans la Constitution la haute trahison. Ils méritent d'être arrêtés et mis en prison parce qu'ils mettent le pays en péril et au chaos. Et ces choses, nous sommes contre. Le jour que les choses vont revenir, comme nous l'entendons avec Moïse Katumbi, l'état de droit, ces gens-là seront appelés au tribunal et ils seront jugés. Et par là, je félicite les autres
magistrats qui ont été absents parce qu'ils n'ont pas voulu cautionner la fausseté. Ils sont appelés à dire le droit et à dire la vraie justice et non à briser la Constitution. Voilà notre position, nous qui sommes derrière Moïse Katumbi. Merci à trop, Evariste, c'est pour la baba. Dernière question, afin de clôturer notre émission. Maman Mokondi nous fait la signe là, que le minute est par... on n'a pas beaucoup de minutes. Mais ce que nous venons d'attendre ici, c'est que nous sommes en train d'écouter parmi vous, les amis de Moïse Katumbi. Apparemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous là. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire ce qui se passe à l'intérieur. Les gens disent que les gens qui parlent, donc Lingala, les Kinoa en général, ne sont pas le bienvenu. Il faut parler Swahili ou bien les gens de Maniema et tout cela. Est-ce que c'est vrai ou bien comment ça? Non, ça ce sont des rumeurs qui ne sont pas fondées et qui n'ont pas la place. Nous, les amis de Moïse Katumbi, nous sommes sous la vision de Moïse Katumbi, qui est une vision de rassemblement, qui est une vision qui considère le Congolais de tous bords et attache l'importance à tout un chacun. Nous ne sommes pas là pour l'élitisme, de voir que ceux qui parlent le français, ou qui parlent le swahili, ou l'anglais, ou le chuluba, ou le kikongo, ou autre. Non, Moïse Katumbi est un homme qui rassemble tout le monde. Et chaque Congolais de tout bord, homme comme femme, médecin, commerçant, ouvrier, artiste, et j'en passe, militaire, policier, d'ailleurs, il défend tout le monde, et tout le monde est la bienvenue au sein des amis de Moïse Katumbi. On ne met la barrière à personne, que tu parles swahili, que tu parles kikongo, que tu parles lingala ou toute autre langue. Même si tu es muet, même si tu es extropié, tu as de la place. Si tu es albinos, tu as de la place. Tu es pauvre ou riche, tu as de la place. Moïse Katumbi travaille avec tout le monde. Quand vous regardez d'abord la constitution de son bureau quand il était gouverneur, au Katanga, mais il y avait la place à toute tendance confondue qui représente la RDC. Moïse Katumbi, c'est un homme de l'unité. Et chez nous, la différence ou la séparation, ou même la division n'existe pas. Ça, ce sont des rumeurs. Et moi, je peux vous dire que je travaille ici à Paris, en France, je travaille en Europe. Je suis en contact avec M. Papi Bassambi du Canada, en contact avec le pasteur Joël Condé aux États-Unis, en contact avec l'Afrique du Sud, le président Didier Kilolé. Je suis en contact avec le président d'Alsace ici en France, Monsieur Claude. Je suis en contact avec tout le monde, les gens qui sont en Norvège, à Oslo. Mais c'est tout un lance confondu. On retrouve autour de Moïse Katumbi tous les Congolais de tous bords. Chez nous, la séparation, la division n'existe pas. Ces personnes ne viennent pas nous coller des choses que nous n'en avons pas. Nous sommes tous Congolais et nous travaillons ensemble à l'unité autour de Moïse Katumbi sous un leadership responsable. Moïse Katumbi, c'est un candidat aux élections présidentielles. Il doit d'abord être un rassembleur. Et si aujourd'hui, les amis de Moïse Katumbi, pas là, je vais donner un conseil patriotique à ceux qui pensent que Katumbi est là pour séparer les gens. Non, il est là pour unir. Il nous dit, en politique, nous devons avoir les amis et nous devons faire de nos ennemis aussi nos amis en les pardonnant, en travaillant avec eux. Voilà pourquoi partout où moi je sillonne le monde, en train de livrer des conférences sur la vision de Moïse Katumbi, que ce soit les combattants, je les invite, je travaille avec et nous partageons. C'est ça la politique. Nous devons travailler dans l'unité. Écoutez, dans notre pays, les gens viennent nous diviser avec ces sentiments sanguinaires venus du Rwanda, que les Congolais n'en avaient pas. Et si nous-mêmes, les Congolais, nous nous divisons, où est-ce que nous allons en finir? Une maison qui se divise, c'est une maison qui est appelée à sa perte. Nous devons nous unir. Et Katumbi est là pour l'unité. Voilà notre réponse. Merci à toi Evariste. Et si vous avez la dernière minute, les derniers mots, vous pouvez dire aux gens qui te suivent dans l'émission Baliangando. Mais je préfère que ce soit en swahili parce que Salomon Skadela aime les gens qui parlent swahili. Si vous pouvez dire quelque chose pour Salomon Skadela, si on écoute là, qu'est-ce que vous lui disiez, Moïse Katumbi? Vous avez cité le nom de Salomon Skadela. C'est un homme d'exemple, un homme fidèle, un homme loyal, aux côtés du chef, un grand conseiller. Moi, je l'appelle l'homme qui chuchote à l'oreille du patron. Il saute à l'oreille du chef. Si Moïse Katumbi a pu avoir du succès et la victoire sur beaucoup de choses, c'est parce que il s'est fait entourer des hommes comme Salomon, qui est pour nous, jeune, qui suivait Katumbi comme un exemple parfait à suivre. Le seul message que je voulais plus donner, au-delà de parler aux Katumbistes, c'est plus à notre peuple congolais, ceux qui sont dans les territoires, ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui aiment le Congo, ceux qui attachent l'importance à notre pays, c'est de pouvoir suivre les recommandations de Moïse Katumbi, c'est d'écouter la voix de notre leader, appliquer ce qu'il nous demande. Et aussi, tous les amis de Moïse Katumbi,
lobby tous les katumbistes du monde de pouvoir s'attacher aux leaders de travail encore d'arrache-pied, de ne pas dormir, de ne pas somnoler. Pour les katumbis, ce n'est pas un nombre de grands discours, c'est un nombre de grandes actions. Le travail des katumbis, abattu au Katanga aujourd'hui, parle de lui-même et fait sa campagne plus que ce que nous pouvons nous dire. Son travail est plus que toute éloquence parce qu'il a fait de grandes choses. Nous devons nous mettre au travail parce que la victoire, elle est à nous, mais nous devons l'arracher, nous devons la récupérer, nous devons aller la conquérir là où elle se trouve. Et Moïse Katumbi ne dort pas. Nous remarquons combien il est ici à l'étranger pour des soins médicaux, mais il sillonne le monde pour aller toquer toutes les portes, sensibiliser les gens, parler, dépenser de l'argent, ne pas dormir. Il prend les avions, il prend le TGV, il prend les voitures, des fois il marche même à pied, quoi qu'on soit en Europe, juste pour chercher le bien des Congolais. Et nous, nous devons nous inspirer de cet exemple qui a fait école, qui a fait légende de Moïse Katumbi dans cette vision-là, dans cette leadership-là, pour travailler comme il convient. Et par là, je m'en vais saluer tous les katumbistes, et surtout ceux de Kinshasa, de Likasi, de Bakongo, ceux qui travaillent ici au Kisangani. C'est leur peuple qui les salue, ils me connaissent tous. Et là, justement, je salue tout le monde. Ceux qui verront cette émission comprendront ce que nous sommes en train de véhiculer comme message, qui est la vision de Moïse Katumbi pour un grand Congo, pour le développement, pour le partage équitable de la richesse, pour un bon salaire d'un militaire, d'un policier, d'un fonctionnaire, pour la paix au Congo, pour que le massacre cesse, pour tous ceux qui ont commandité le mal à notre peuple, cesse et ça traduit en justice, pour que la paix réellement entre et soit enracinée, pour que notre pays soit industrialisé, pour que le Congo ait son mot à dire dans le monde. C'est ça la vision des Katumbi. Merci Evariste, merci à la prochaine fois. Merci vraiment pour ta participation de notre émission Baliangando Mokilimbomba. C'est l'état d'esprit. Merci à toi. Merci. Bon, dans ça le sous-sous téléphone, mon sous-sous Awa, ça na Freddy Famba. Freddy Famba Zali na Katia Washington, pays passa kobundi na mboka. Freddy Famba za kobundi na mboka. Freddy Famba, osa en ligne besoin okay déjà. Allô Freddy Famba. Freddy Famba Bungi, j'ai quand même ça toujours la vérité, bateau la Congo. Donc Nazala Kina Evariste, les amis de Moïse Katumbi, on était en direct. Il habite à Paris. Mais merci à toi Evariste na participation na yo. Na kati à Paris toujours plus la toujours Congo parce que tu comme étape ou comme monde rouge. Donc carton rouge. Mais bobo santé le 19 novembre, tout ça dans marche mususu. Alors Freddy Famba Bungi papa. Alors Freddy Famba Zanandzela zo kumba mutu ka bona ko manda kute en attendant toi la Freddy Famba rappeler biso na okota invité na ngaya munene tout ça kaneme so chaque fois pasteur Jor Kundi akota to lobela makambo awa parce que batu o bauti ko lobela awa ezali ba les amis de Moïse Katumbi. Bonjour pasteur Jor Kundi. Bonjour papa et puis bonjour ou bonsoir à tous nos téléspectateurs bato to ba kozo sous temps kolanda biso na biska o to zali na biska bazali biso. Merci à toi pasteur Jor Kundi makambo ezali minene ville morte et to lobela ki ango déjà ville morte. Ali kao to lobere betite ba respecter ba to si pinta makasi na sepeli ato ba na mboka ba bondeli Congo pasteur Jor Kundi to le kisiko na étape mosu sukoyo cour constitutionnelle na soyo kinde na soyo na ne cour constitutionnelle ba leki ma vitesse supérieure au le base bazala ka 9 mais ba kei na 5 personnes ba lianga ndo to baraka ba lianga ndo état d'esprit ba lianga ndo mokilimo bimba pasteur Jor Kundi to comme na vers fin mission na biso okol ba nini pona CP na Kinshasa et puis na makambo oyo politika na bazo sala préparation le 19 novembre soko ba okoloba ba imali le mois soko pour clôturer mission sur l'opinion. Bon, et là on le baraka ça juste pour nous informer ba tout ba comprendre que non la bataille est grande. Au moni soki Kabila za ko continuer ko garder moi légitimité ou bien ba Kabila bazo zone nous ba sanctionner, il faut comprendre que non, ils sont encore sous ce qu'on appelle légitime, donc l'égalité. Donc l'ère l'égalité prend fin le 19 décembre, à Bouo, Pia. Maintenant là, ils ouvrent des portes pour des sanctions économiques contre Bango, parce qu'ils vont repérer sa peuple congolais. Ils vont coincer Batou à Kabila. On a des sanctions économiques, financières, tout ça, et puis ils vont coincer Bango même, ils ont des problèmes. C'est ça c'est la première des choses. On a battu tout bazo mais pourquoi bazo sanctionner ka ba militaire mais bazo sanctionner no bata Kabila té. Les sanctions vont commencer après le 19 décembre pour les gens de Kabila. Oh ba concentrer mais te bi kenza ba osunga biso avant même to comme ba les 1er janvier wana bango na fuba palangana déjà na Congo. De deux, mission à ce pays na kata ki ça c'est quoi? La mission de la CPI a kenda ki ko sala banquette
komona parce que bayebi bango tu bayebi ke no Kabila na bato bantouré Kabila ce sont des vrais criminels bazana mawamba tuté et les gens qui tuent beaucoup les Congolais ce sont des Rwandais mais balati ba forme ba Congolais mais on va kanya mazaro n'était quand même mais ils utilisent nos frères bazako utiliser ba frères na biso bazako lelo oyoyo faut ebaka yango Kabila mutali bosso à cause là na ces pays parce que aujourd'hui tolandi ba news na information na banquette ninge za ko kindele que les gens ne se tournent pas Kabila va se retrouver na ces pays Kabila beaucoup tué azawana ayebi deuxième mutu enquête au fond melaye ezali Evariste Boshab troisième mutu enquête au fond melaye ezali Kalef quatrième mutu ezali André Kimbuta ozakolanda batu wana tu na la mer mende inclu baye bakango ke bakoza la cité très bientôt là na ba rapport ya ces pays et bakokende ces pays batu wana nenge batu zolo baboye. Alors, il y a un moni CP à l'osa l'enquête, mais c'est une bonne nouvelle pour nous les Congolais. Il y a un moni qui a été désespéré. Au moment où tu as commis Nango, ce pays a eu sa présence na déjà dans le Congo pour nous parler de Kabila. On sait que les choses sont à Koya, Mikou, les Akoya. Et tu as déjà pointé déjà Batu, yo yo, Baza Koya, ce pays, Awana, Katnabino. Ça veut dire la présence de ces pays dans le Congo et Zali pour encore déstabiliser encore de plus le gouvernement de l'occupation de Kabila. Bayel sous qu'on déstabiliser bango bien. Bayel qu'on passe bango ce message que non, on est prêt pour na kokangabino. Donc voilà le pourquoi peuple nyo soza na kata Congo abanga lissous ko bimaté parce que le régime de Kabila est affaibli, est anéanti maintenant. Devant la communauté internationale et devant la nation. La communauté, donc le pouvoir de Kabila est si, et Sili, et si, et Koufi. Et là, c'est un pouvoir de mon côté. Donc, n'est-ce pas ça, on a. Soit que le peuple a mis les bandes, et Sili pour la Kabila. Ou à quoi bête à ma sassi, déjà, n'a pas ce qu'il y a, n'a mis ça qui passe, on a. Ils seront surpris, il y aura des drones. Parce que déjà, on y a décidé qui que non, il faut tout le Congo sous surveillance. Pour nous, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se préparer, mais le drone est en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pour les gens qui ont été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été coincés. Il y a des gens qui ont été congolais pour désespérer. Et il y a des gens qui ont été en train de se faire. On n'a plus le temps d'avoir peur. Maintenant, sur le camp de Kabila, Bazana Kobanga, nous sommes près de la victoire et concentrons-nous maintenant sur cette victoire. Le 19 novembre, comme rassemblement Sangi que marche au Salama, il y aura des préparatifs avant le 19 novembre et il y aura des messages que nous allons vous dire. Papa, nous sommes toujours préparés, peuple Malembe, Malembe, jusqu'à ce que nous allons coincer le régime de l'occupation de Kabila. Bazako Bima Congo. Et le Dieu des ancêtres va faire son travail, et puis ce mot, toujours vivant, toujours ça, Moussala, pour tout qui m'a rendu la Katia Congo. Merci à tous, Pasteur Joël Kondé, Alain Bola Bolaski, aux autres Azako dans l'émission Oyo, de Will Kumbumba. Pasteur Joël Kondé, aux autres Kamasuka, au Loba, tout clôture, émission à Bissou, moi, j'ai pissé Bissou. Bon, message à Souke Zaraka, unité dans la Katia diaspora, toute la division, parce qu'il y a la Nia, tout à Télém là qui est rassemblement, mettant au rassemblement, Pessi carton jaune, tout le monde est diaspora, la Niango. Ce qui n'est pas mauvais, parce qu'on est tous Congolais, tous à bénémité. Tous avez ennemi, tous avez ennemi. Mais surtout, tous avez l'intérêt à la nation à Congo. On n'est pas ennemi. Donc, ça ne sert à rien. Tous avez la division. Division, on a entendu que vous avez mis des acquis qui viennent à Bissot Noré Nguanda. On a le long, on a signé la Congolais, on a surtout tout ce qui est bloqué. On a tout enterré. Bah, hache de guerre, moi, mi kéza ngatina. Moi, kéza ko kende. Ce qui est mon tout ennemi. Le col à Rukamera, quand il y a un groupe né à Rwanda, bien, tout moni bango malamo. Maintenant, il est temps. Tous à la bomoko, tous combattre bango, na libanda awa, tous combattre pe bango, na katikuna mboka, pour tous récupérer mboka na bisho. Voilà mon message. Merci à tous, passage, je reconnais, passage, je reconnais, l'obito de la unité, quand n'est-ce que tu as yambo, alors, à te akabu, tout mouna peuple, mokon, va Christian Bola Biama, Croco de Louose, général, Croco de Louose, général Ngando, mne batea a toujours unité na katia kumba. Na lo baralika moumongo boyeke, moutaliboma, te se bata moumongo bazale belé. Ce qui est docteur, c'est que tout le monde est docteur. Le docteur est menacé.
intervenir pour la docteur Wana. Policier, tout le monde bamboko, policier yoko kanga mutu, mutu wana menace policier kaka civil, awa ko aider policier ba maîtriser mutu wana ba tiena ni. Donc c'est-à-dire quoi pour vous dire tout le bande na lembo ce sont bien parce que on a masuzo balia ma c'est balia ngando. Faut ça antiterror tout le tina au comprendre bango parce que oza la liangando. C'est-à-dire tout ça esprit moko. Kamere asi akei na ba dekonae to sangana. Ce que vous avez la force mandoki, ce que vous allez faire une opération ou bien une opération sacrée sur votre totalité de bazar dans mon coin dans quartier Mboka, ça n'a rien de nayo. Ce que vous avez un rassemblement, ça l'a pris dans quartier rassemblement n'a rien de nayo. Mais bitumba ya Congo zaya mutumo kote zaya bisons surtout. Tous ensemble, tout ce qu'on critique, on critique mutumo ko bobanini pour la base pour ça le matin. Mais comme Congo sur comme ça le matin, Claude Imeka, tu peux sur mon théâtre. John Image Skabozali, Peuple Mokundi, Mama Didi Asuta Mabolongo Yinda, Tozali Aona Freddy Famba. Freddy Famba, message Yasuka Ezali Nintoto clôturer l'émission Nabiso, Mama Mokundi, Azo Salabiso signe. Vraiment, le message Yasuka Ezali, toujours le peuple congolais, Acha Liki à la Bangoua Koloba, les ambassades de Samoïse, Katumba Zali Kozonga, Yemu Sauveur Nabiso, Yemu Tarosala Nyoso, pour le peuple congolais, Bakomana, Impasse Nyoso, et si là, Freddy Fama, c'est propre. Au bout de temps, le remords à ce qu'a passé, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un merci à toi, merci à toi, Zaki et Michel Balianga, nous qui m'ont passé. Je reconnais moi commenter pour la ville morte pour clôturer l'émission de Bisson. Non, ville morte, Zaki, reçu total. Ce qui a démontré que Kabila ne contrôle plus les pays parce que les gens n'étaient pas au pouvoir, les gens ne sont pas au pouvoir, mais comment ils peuvent dire un mot et peuple à l'Andamonassi? Ce qui veut dire que le pouvoir de Kabila a perdu le contrôle du pays. Bah, ça, c'est un contrôle à Congo. Il y a un moni qui est au Bengisuba Koko, Banzamba Koko, Batelema. Ba Rwanda bazana na Congo faut pas sentir que non bazana na terre na bangote si Kabila croit ou il a cru qu'a commune terre moko conquise ayeba rango que non il n'est pas encore arrivé
Il y a ça qu'on a surpris. Parce que le Dieu de ce pays-là, le Dieu de nos ancêtres là, bah ça côté les Masukoyo, mi pepe na bangonde ko kimisa bango na kati ya Congo. Merci à trop Ezaki Balianga ndo mokilimo mabalianga ndo état d'esprit de côté mbala semana pasteur je le connais na batutu ce que vous allez na moi au participer na émission to benga na ba air ba pays est un peu différent et varie au mana abinga ki wana za na kati ya France. Numéro na biso balianga ndo ko za affiché wana au bengi numéro balianga ndo to contact na yo to fixer rendez-vous parce que ba air est un peu décalage pour tout ça la bien mais émission balianga ndo numéro sera toujours ouvert à tout moment 24/24 13 Claude Mutima Bomoni Kaka to comme un système déjà carton jaune carton rouge dans le 19 novembre marche en fait comme le 19 décembre ba ko décider ce que ça marche mais à ville morte to za la contact na Valentin Mubake et puis na Freddy Matongolo. Merci à trop Claude Mutima na émission balianga ndo ciao.